3, 2... Sen petigale majok sama Sasuke. Pays de souffrance jadis infligée, pays de dignité retrouvée, pays d'avenir à construire, reçois le salut de mon cœur pur de toute haine et gonflé d'espoir. As-tu la paix ? La paix seulement. What?
première division et la deuxième division, il y a une grande différence. Les équipes en première division sont plus organisées et tout. Ce sera un peu difficile en demi-finale comme le premier match à domicile. Ils peuvent dominer tout le match, mais c'est un peu difficile avec les équipes. Quoi. Ils défendent trop. Quoi. Mais je pense que ça va aller quoi, avec les jeunes. Avec l'attaque qu'on a et avec tout ce qu'ils ont, les bagages techniques qu'ils ont, je pense que ça va aller. Bon, je dirais que j'ai signé à moi d'une part, c'est un choix parce que j'avais envie de quitter. J'avais envie de signer pour sauter, pour essayer de. Pour essayer d'aller encore plus haut. À Djamba, c'était bien, mais bon, tout le monde cherche à aller loin. J'ai choisi. J'ai enfin signé à Monde. C'est un club qui m'a offert l'opportunité de quitter le centre. Je me suis dit que donc, c'est une chance pour la saisir. J'ai signé ici. Quoi, c'est pas un choix, c'est pas quelque chose pour l'éternité. J'ai signé ici pour avoir pour pouvoir aller plus loin. Ouais, c'est. Bon, c'est une grande zone. Ma bilan, il joue à Manchester, maintenant il est prêté à aller dans l'Allemagne. Mais à savoir que ces deux joueurs-là, les deux Sénégalais même du nom de Baïdi Bifane, à savoir que ces joueurs sont passés par ce club, donc, ça, on peut dire que ce club, c'est une chance pour quel Sénégalais. Quoi. Donc si je me dis que j'ai signé dans le même club que ces internationaux, donc, s'ils vont jusqu'à avoir une carrière dont ils peuvent se réjouir. Je me dis que je peux avoir la même chance. Ouais, ma taille, j'ai un peu dans la peau. Parce que c'était un peu difficile au début. Lorsque je suis arrivé, donc, je ne comprenais pas la langue, c'était difficile. Je ne connaissais pas les joueurs et tout. J'avais juste ma taille avec qui pouvoir parler une autre langue. C'est-à-dire. L'Europe et il m'expliquait donc quand les coachs parlaient, c'était un peu difficile. Donc. Et j'étais tout le temps près de lui. Et après l'explication des coachs, j'étais à lui de me dire ce que je devais faire et tout. Et que ce soit à l'hébergement et tout, il était souvent avec nous, la coupe, il nous a beaucoup aidé. C'est un grand plaisir. Parce que c'est un gars très humble. Vous savez, jouer à Manchester des années et des années, revenir pour coacher une équipe en Norvège et être aussi humble, c'est extraordinaire. Et ça fait plaisir d'être avec lui parce que c'est un gars qui comprend tous les jours. Il parle. Quand il te parle, tu as envie de faire du. Tu as envie de bien bosser quoi, pour lui. Parce que il ne crie jamais sur le jeu. Il t'explique normalement et tout. C'est bien, moi, je suis très content de travailler avec lui. Ouais, c'est la première fois que je viens avec une équipe professionnelle ici en Espagne. C'est une compétition qu'on va jouer. Pour moi, c'est spécial. Parce que eux, ils sont déjà interprètes, mais pour moi, c'est spécial. Je vais devoir me donner à fond dans les matchs. Je vais devoir tout donner, tout faire pour pouvoir au moins garder une place. Tu sais, je suis pas encore titulaire, donc c'est pas ça. Je vais pas me laisser faire, je vais essayer de bosser. Et je crois que ce tournoi, c'est une chance pour moi aussi de m'exprimer quoi, et de montrer mes preuves, de faire des preuves pour pouvoir jouer les matchs nationaux. Je dirais discuter le plus de matchs possible, que ce soit titulaire, si je suis titulaire, j'aimerais bien discuter le plus de matchs possible. Titulaire.
dire aux amis que peut-être c'est un peu dur là-bas au Sénégal. C'est toujours pareil. Il faut juste moi, j'espère qu'ils auront tous la chance de réussir. Parce que si moi j'irai jusqu'à pouvoir signer les contrats prochains, il y a beaucoup d'autres qui peuvent signer. Quoi. Parce que je ne suis pas meilleur. Il y a beaucoup qui sont même plus bien que moi. Donc, je dirais qu'avec plus de travail, ils auront la chance de signer. Mais pour les coachs, je remercie bien les coachs. Avec tout ce que j'ai fait, les 6 ans que j'ai passé à Diamba, là, je m'aperçois que ils ont beaucoup fait pour moi. Ah ouais, ça, c'est surprenant. Avec sortir de la poule, avec le Cameroun, sortir premier de la poule, donc. Tu te dis que cette équipe, si elle va à la CAN, c'est pour remporter la compétition. Quoi. Parce qu'éliminer le Cameroun, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. Non. Donc on se disait qu'au minimum, on serait en finale. Mais de éliminer en poule, c'est très grave. Mm-hmm. Et je sais que si en ce moment, au Sénégal, c'est chaud. Quoi. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est. J'arrive même pas à dire. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa, look at me when I'm talking to you. Scouts down in Senegal in the Jambars Academy, and they all said this is a player we have to sign, because he can do everything as a midfielder. He can with the ball is very good. He can dominate, good passing, good shots. Without the ball, he runs a lot, up and down all the time, and he tackles and he's a winner. So I think he's going to have a very very good career. That's why we signed him. Fantastic since he came. Now it was time for him to try the Bundesliga. I'm sad for me, but for personal reasons, I think he deserves to get a chance in Germany to show himself. And Mam Biram, I know I'm very, very friendly with Mam, because he also used to babysit my kids when in Manchester. So for me, two fantastic players, great attitude. I love the people from Senegal. I think. The attitude, the big smile all the time, it's great working with him, hard working with him. I think it was very disappointing. I was watching, and when Equatorial Guinea scored in the extra time, I think it was a fantastic strike by the kid, but it's disappointing because Senegal has many, many, many good players and potential to be a fantastic team, but sometimes it seems like they don't, maybe the look, but maybe the team spirit, I don't know. It's disappointing, and for me it was disappointing that Mam is not there and Makar is not there. I think they deserve to be there, but they've got their own coach, so it's not my job. So it's sad, but I think it's a fantastic country, developing good players now with academies as well. So, with Molde, we've had, as you said, Mam Biram, with Magda, now we've got Karim, we had Pap. So, I have only good, positive feelings about Senegalese players. Sama olé di musé xawma ni mo gëna ni man ke bu ma kenn jugé.